Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 idées de salade à emporter et vous allez voir que les recettes sont ultra simples et rapides à réaliser. Pour cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle collaboration, Fraîchement Bon. Ils m'ont contacté dans le but de tester leur gamme de légumes cuits. J'ai donc choisi 3 recettes estivales et ils m'ont gentiment envoyé un colis avec 3 barquettes différentes. Pour vous expliquer en détail, leur barquette est composée de 2 gammes de produits différents. Vous avez fraîchement cuit, où vous retrouverez des légumes cuits à la vapeur, sans colorant ni conservateur. Et vous avez la deuxième gamme fraîchement cuisinée, où là ce sont des légumes cuisinés, sains et savoureux. Toujours cuits à la vapeur, sans conservateur, ils sont parfaits quand vous êtes pressé. C'est assez rapide, puisqu'il suffit simplement de les passer 1 minute 30 à 2 minutes au micro-ondes. Leurs légumes sont cultivés en France, et leurs barquettes sont recyclables. Vous pouvez les retrouver dans vos supermarchés préférés, tels que Carrefour, Auchan, Leclerc, Monoprix, Casino et encore plein d'autres. Allez, il est temps de mettre le tablier et de vous montrer mes 3 recettes de salade à emporter. Je vais commencer par vous montrer la salade de lentilles. C'est une recette ultra simple et rapide, puisqu'elle se réalise en moins de 10 minutes. Elle se compose de seulement 5 ingrédients et convient pour 2 portions. Pour la réaliser, je commence par peler et hacher 2 petites échalotes. Je les place dans un récipient, puis je rajoute 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin ou de xérès. Je laisse ensuite macérer quelques minutes. Pendant ce temps, je rince et j'essore 150 g de roquette, puis j'émiette 200 g de feta à la fourchette. Je mets la barquette de lentilles fraîchement bon dans un saladier, puis je sale, je poivre et j'arrose de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute ensuite les échalotes au vinaigre, la feta, ainsi que la roquette. Je mélange délicatement. Il ne me reste plus qu'à remplir ma boîte à emporter. C'est vraiment une recette très rapide à faire et vraiment excellente. Le fait d'avoir des lentilles déjà cuites me simplifie vraiment la tâche et me fait gagner énormément de temps en cuisine. Surtout qu'on sait tous que c'est assez long entre les faire gonfler avant cuisson, puis les faire cuire par la suite. Pour la deuxième recette, je vais vous montrer ma façon de réaliser une pokéball au saumon. Pour ça, je commence par préparer la marinade en associant 1 cuillère à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, ainsi qu'une gousse d'ail finement hachée. Je découpe le saumon en dés, puis je l'ajoute à ma préparation. Je mélange et je laisse reposer environ 10 minutes. Pendant ce temps, je prépare l'équivalent de 100 g de riz basmati cru. Vous pouvez mettre à la place du riz jasmin, du riz noir ou encore prendre du quinoa. En attendant, je découpe tous les ingrédients que je souhaite ajouter dans ma pokéball. Pour ma part, je coupe en petits cubes une demi-mangue, suivie d'un avocat. D'ailleurs, pensez bien à l'arroser d'un jus de citron vert pour éviter qu'il noircisse. Puis je coupe également un demi-oignon rouge. Pour ça, j'utilise mon découpe-tout qui est vraiment très pratique pour me faire gagner du temps. J'utilise la lame qui me permet de faire des petits cubes. Je mets ensuite de côté ma barquette de fèves de soja fraîchement bon. Puis je rince, sèche et coupe une bonne poignée de salade. Une fois que le riz et la marinade sont prêts, je passe au dressage de ma boîte à emporter. Pour ça, je commence par y mettre le riz basmati. Je complète par une belle poignée de salade. Je superpose ensuite de quelques morceaux de mangue, des petits dés d'oignon rouge. Je rajoute ensuite 50 g de fèves de soja, quelques morceaux d'avocat, et je termine en déposant les cubes de saumon. Je parsème de quelques graines de sésame blanche et le tour est joué. Vous pouvez ajouter une sauce de votre choix telle que de la sauce soja sucrée, du wasabi ou comme moi de la sauce sriracha mélangée à de la mayonnaise. Cette recette est vraiment délicieuse et super fraîche pour cet été. Un vrai régal. Pour la toute dernière idée de salade à emporter, j'ai décidé de vous montrer la meilleure salade de quinoa que j'ai jamais goûtée. C'est une recette pleine de couleurs qui est très simple et rapide à réaliser. Pour la faire, je récupère à nouveau mon découpe-tout. Ça va me faire gagner énormément de temps, mais également me faire de jolies découpes. Je commence par couper en petits dés environ 10 à 20 cm de concombre. Toujours avec la même lame, je coupe très finement un demi-poivron rouge. Personnellement, j'ai préféré prendre des petits poivrons pour varier les couleurs et ne pas laisser la deuxième partie dans le frigo. Je coupe ensuite de la même manière 120 g de tomates cerises, puis je finis par râper une demi-carotte. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver en barre d'infos tous les liens de tout ce que j'utilise en cuisine. Je passe à la découpe de 100 g de chou rouge, je hache ensuite un oignon vert, ainsi qu'une poignée de coriandre fraîche.
Je prépare la vinaigrette en mettant dans un petit récipient 3 cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à café de sucre. Je complète avec une cuillère à soupe de mayonnaise, une cuillère à café de gingembre, ainsi qu'une gousse d'ail haché. Je mélange bien, puis je prépare ma salade. Pour ça, je mets dans un saladier 200 g de quinoa de ma barquette fraîchement bon, suivi de tous les autres ingrédients de la salade. Je verse la vinaigrette et je mélange bien ensemble. Je prépare la mise en place de ma boîte à emporter en la complétant de salade. Je rajoute un peu de coriandre fraîche. J'écrase du wasabi et j'en saupoudre généreusement. Puis je termine en mettant quelques graines de sésame grillées. Cette recette est vraiment l'une des meilleures. Elle est relevée parfaitement et tous ces petits légumes réunis la rendent juste excellente. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment adoré utiliser ces petites barquettes. Ce sont vraiment de très bons produits et je vous les recommande à 100%. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.